Salut, dans cette vidéo, nous allons voir comment récupérer un compte TikTok perdu. Alors, pour le faire, c'est relativement simple. On va le faire ensemble dans cette vidéo. Alors, par exemple, il peut arriver que vous avez perdu votre compte TikTok et vous ne pouvez pas avoir accès ni à votre compte, ni à vos informations que vous avez eues précédemment sur ce compte-là. Donc, comme par exemple votre adresse email ou encore votre mot de passe qui est plus important, qui est encore mieux important. Donc, simplement ici, si vous souhaitez pouvoir récupérer votre compte, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Ici, on va spécifier vraiment les étapes à suivre pour pouvoir récupérer votre compte TikTok. La première étape, simplement, vous allez venir sur TikTok et accéder à la plage de connexion. Et comme vous pouvez le voir ici, nous sommes sur TikTok et sur la page de connexion. Alors simplement ici, il y a des éléments pour pouvoir vous connecter. Mais lorsque vous avez égaré vos informations ou encore vous pouvez avoir accès à vos informations ou à vos coordonnées pour pouvoir vous connecter simplement, vous n'avez plus votre numéro de téléphone, votre adresse email ou encore votre mot de passe. Vous allez simplement venir ici à gauche sur le point d'interrogation qui est juste là. Voilà, vous cliquez dessus. Et ensuite, vous verrez une panoplie d'options, une panoplie de questions, une panoplie de propositions que vous seront données. Alors comme vous pouvez le voir ici, il y a plusieurs propositions. La première, récupérer ton compte, mot de passe oublié, compte suspendu, ajouter plusieurs comptes. Alors, en fait, il y a plusieurs propositions. Vous pouvez choisir une parmi celles-ci. Alors, ce qui vous intéresse, c'est mot de passe oublié parce que vraiment, on a oublié notre mot de passe, mais on souhaite accéder à notre compte. On va cliquer sur mot de passe oublié. Et ensuite, il y a une panoplie de conseils qui nous seront donnés par TikTok. Alors, comme vous pouvez le voir ici, ces conseils sont vraiment énormes. Alors, vous pouvez simplement décider de suivre ces conseils par étape pour pouvoir conduire ou retrouver votre compte TikTok en ligne. Il peut aussi arriver que ces conseils ne vous aident pas assez bien. Donc, on vous pose une question à la fin. Ton problème est-il résolu? Tu peux simplement venir ici si ton problème n'a pas vraiment été résolu grâce à la technique que TikTok t'a donnée et à tous ces conseils avec ces étapes. Si cela n'a pas pu résoudre ton problème, tu vas simplement venir ici, cliquer sur non juste en bas. Et ensuite, tu auras un autre traitement. Tu vas cliquer sur besoin d'une aide supplémentaire. Et là, simplement, tu pourras ici écrire un message au service client, bien au support client TikTok, et là tu pourras simplement résoudre ton problème. Donc là, simplement, tu vas cliquer sur description du problème et ici, tu n'auras qu'à exprimer ton problème simplement. Donc là, tu peux écrire « Salut, je n'arrive plus à accéder à mon compte TikTok ». Et lorsque vous écrivez ce message, vous pouvez ici ajouter votre nom d'utilisateur ou encore votre pseudo pour permettre de pouvoir justifier vraiment que ce compte vous appartient vu que vous n'avez pas les informations vraiment précises pour avoir accès à votre compte. Alors, lorsque vous écrivez ces informations, vous pouvez rajouter d'autres informations aussi précises, c'est-à-dire peut-être des contenus ou bien des photos, vidéos vraiment personnelles que vous pourrez simplement, que l'accès est juste réservé à vous. Et là, il peut arriver que TikTok puisse trouver une solution à votre problème et vous pourrez retrouver votre compte simplement. Donc là, vous pouvez ajouter plus d'informations si elles sont nécessaires ou si elles sont requises par TikTok. Alors là, lorsque vous aurez fourni toutes ces informations requises par TikTok, il est possible, pas au prochain message de TikTok ou qui sera la réponse simplement à votre requête, mais plus de plus en plus, vous poserez des questions et vous aurez des réponses. Vous aurez une discussion particulière avec TikTok, ce qui permettra de pouvoir simplement retrouver votre compte. Donc, soyez patient et donnez des raisons vraiment fiables et des preuves vraiment tangibles que votre compte vous appartient. Et là, vous pourrez occuper votre compte simplement en ligne et vous pourrez recommencer vos activités sur la plateforme. Donc, comme vous pouvez le voir, voici une méthode vraiment basique pour pouvoir retrouver son compte perdu TikTok. Et comme je vous le disais, c'est aussi simple que ça.